Bon, j'ai mis la bonne, mais elle démarre pas. Marcel! Marcel, on Oui, a un mince sapin. problème. Oui, mince Ah non, sapin. mais là, ils sont sur l'écran de début de vidéo là. Alors, play once. Il y a marqué play on Sin Hunter. Alors, essayez de rechanger la scène. Mais non, mais en plus, mais c'est un truc de malade. Parce que tout à l'heure, je leur ai montré deux fois. Tu te souviens de tout à l'heure? Oui. Je leur ai montré deux fois. Parce qu'ils n'étaient pas concentrés la première fois. Et du coup là, C'est hop! vrai. Et là, je change, ça marche! Ah bah voilà. Non, mais il y a une conspiration. Il manque pas juste. Il n'y a pas. When finished rewind là? C'est pas ça que tu la coches? Non, non, mais là, je viens de le faire et ça vient de marcher, donc. Yeah, d'accord. Je ne Ah peux et pas donc savoir. non. Non, ce que je disais, c'est qu'il manque un peu de son, non, pendant l'intro. Il n'y a pas de son. Je sais pas si c'est du son ou pas, je t'avoue, je l'ai toujours juste regardé avec le son mute, tu vois. Ah bah oui, non, mais c'est logique en Ouais. plus. Mais ok. Il n'y a pas le son de Dota non plus. Parfait. On est parti. Attends, je dis le chat. Pardon. Fnatic contre OG. Game incroyable. Salut, ça se passe Exceptionnel. Game remaining. numéro 2 qui arrive. Avec un first pick. Five Ogre seconds Magie. remaining. What you gonna do? Tu vas pas Gonadou, Shadow Demon et Tiny? Parce qu'ils sont Oh, ban, en tout cas. please. Ouais. Donc tu Gonadou, Earth Spirit, Brewmaster. Et voilà l'Omni-Knight, l'autre héros de Ohio. Alors, tu vois, Qui moi va j'aurais mettre 2. préféré qu'ils jouent l'Underlord. Ouais. Mais parce qu'ils ont retiré les deux héros qui faisaient chier l'Underlord. C'est Tu vois, vrai, là, ça ça aurait fait été un toi. peu. Genre, ils give up, tu 10 vois. Genre, seconds c'est des losers, quoi. remaining. Un peu aveu de faiblesse quelque part. Ouais, c'est ça, ils vont pas au bout des 5 choses. seconds remaining. Et peut-être qu'ils ont un plan avec leur Omni Knut. En vrai, c'est vachement bien contre Chromatics Earth Spirit. turn to Mais bon. ban. Ouais, c'est vrai. Mais Alors, bon, juste bon. quand même, les gars, c'est normal hein, qu'il n'y ait pas le ciel sur l'Overlord Draft, c'est la nuit. Je sais pas où vous habitez. Alors, toi, Pyro, c'est. Bah, si, c'est juste la nuit chez toi aussi. Ah, peut-être pas. Enfin, chez moi, c'est la nuit. Donc, moi, 10 j'ai un petit seconds plugin remaining. qui fait que ça adapte en fait le temps du jeu en fonction de la météo. 5 seconds remaining. Donc, comme j'ai vu à Paris, c'est souvent la pluie. Mais voilà, là c'est la nuit donc. Il est 14h30, merde. Désolé Pyro. Non mais bon. Au pire, je peux me Ah, géolocaliser mais sur c'est toi si tu veux. Hein. 14h30 de la nuit, non? Bah, il y a des pays, il fait nuit à 14h30. Pas beaucoup. Non, franchement, pas beaucoup 14h30 de la quand nuit. Non, franchement, très peu. même. Non, bah, je suis même pas sûr qu'il y en ait un qui il fait nuit à 14h30. Bah, c'est quoi le zénith? C'est Chromakeys, midi ou c'est turn to 14h? ban. C'est minuit, normalement. Bah, si c'est midi, ça va. Hein. Ouais, 14h30, je sais pas. C'est vrai qu'il y a des pays où t'as vraiment pas beaucoup de jours, mais je crois qu'ils ont quand même tes genre 4 heures de jour, quoi, Bah, donc. je parlais avec un mec de Finlande et il me disait 10 que les nuits seconds c'était 5 remaining. heures. Les journées c'était 5 heures. Ouais, tu te rappelles Donc que 5 t'as heures, la si tu 10 seconds centres sur remaining. midi, parce que c'est le zénith, tu vois, donc il y a avant et après. Fanatics, Donc t'as turn to 2h30 avant, ban. 2h30 après. Il y a un mec qui dit chez moi à Stockholm il fait nuit à 14h40. Eh ben mon gars, 14h30 on est bon, c'est la journée encore. Ouais, mais donc du coup, si tu montes encore un peu plus haut, franchement, en Finlande, c'est possible. Hein. Ok. Bon, pour Bretagne, il doit faire nuit à midi. Bon, tu peux pas savoir tu peux voir le soleil, il pleut. 10 Ils seconds connaissent pas le concept du jour et de la nuit, c'est il fait gris et gris sombre. remaining. En Bretagne. 5 5 50 nuances de gris avec le seconds piano. Putain, c'est ça, c'est 50 Shades of OG, Grey. Sponsorisé par le Queen Amman, mon gars. On y est, on y est. Bon allez, concentrons-nous dans cette partie. Ah bah non, il n'y a pas de nouveau pic. Pas de Tinker, pas de PL, On est pas de TB, bien. pas d'AM. Ah Toujours, ouais. toujours de la du Ah, Zar, du veux ça, tu, mais voilà. Morphing aussi, hein. Toujours morph, ouais. En 10 plus, il n'y a pas seconds d'A, c'est remaining. un bon draft amorphe, là, du coup. Il y a 5 encore la place seconds pour A dans les deux remaining. côtés. Non, mais c'est ban. Ah, C'est pardon. toujours ban, hein. Mais en vrai, il est trop fort, ce héros. Bah, en Son fait, troisième sort est trop fort. les mecs bannent toujours AA, comme ça ils se laissent la liberté de pick morph et les autres abrutis sont obligés de ban morph généralement. Sauf que eux ils ont pas ban morph, donc OG amorphe. Ton mec dans mon. C'est un truc de malade. Dans mon. 10 seconds Truc de remaining. Clémentine. Dans un, tu vois, un quartier là. Hein. Même pas un quartier, je sais pas 5 comment ça s'appelle. seconds remaining. Ma Un petite quartier, poche oui. là. Ah, mais. Ouais, d'accord. Dans mon quartier, il y avait OGs, trois turn to putains de pick. pépins.
Est-ce que ah, cette phrase sortie du concept, c'est marrant parce que ça pourrait faire une grosse phrase raciste, tu vois? Ah ouais, Pourquoi? alors, quand j'ai grandi dans mon quartier, il y avait trois putains de pépins, tu sais, c'est genre un slang pour des blagues ou je sais pas quoi. Le vieux Pépin, raciste, gros. ça fait plus asiat, non? C'est pas moins raciste pour autant, Non, ouais, je suis d'accord. Mais je remets en cause mais. un raciste sur les blagues. Bon, on fait chier, il y a un morph. Ouais, mais il y a un bail. Ouais, mais ouais, ça relève pas le morph. Je sais pas si ça remonte le niveau de la game, mais il y a un Tu vois, il y a c'est un comme si. Rubik, ça remonte le niveau de la game. C'est comme si t'as un cancer des testicules et tu dis oui, mais c'est bon. Oui, mais ton. J'ai pas de cancer du sein, oui, enfin bon, génial, mais ça C'est change pas bon, le mon problème. docteur est un clown. Oh, tout va mieux du coup. Pourquoi ils ont pris Rubik? Parce que Brou, peut-être, c'est assez facile à voler le split, je sais pas, c'est pas une bonne idée. Est-ce que Mieux, non? du coup c'est juste de la full protection magique, repel plus Ah, game field? ils l'ont pris après le morphling. Ouais, ils l'ont Ouais, ils pris l'ont après pris le après morphling. le morph. Le truc, c'est qu'il tape trop fort le morph, que t'as la protection magique ou pas. Reprennent leur Weaver. Toujours pic du confort pour Envy Tama. Il manquait le héros d'Abed une fois de plus. Il n'aura pas son PL. Il a re son épée à dispo s'il veut. Il n'aura pas son tinket. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Oui, c'est vrai que tu peux morph en Rubik, utiliser un spell du Rubik, et puis si le Rubik à ce moment-là il te vole un spell, bah il vole son propre spell. Et il peut même pas l'utiliser. C'est grisé. Alors attends. Et c'est très nul. T'es un morph, tu te transformes en Rubik. Tu utilises, on va dire, télékinésis. On est d'accord? Ensuite, là, le Rubik, à ce moment-là, il utilise Spell Steal, bah il vole la télékinésis. Mais du coup, Sauf il en qu'il a peut pas deux. l'utiliser. Oui, mais il peut pas l'utiliser, elle est grisée, et puis elles sont sur le même CD, tu suppose, si elles marchaient. Mais C'est pas mal c'est nul, quoi. ça. Ils ont vraiment cassé le jeu avec ce morph. Ah ouais, complètement. C'est les trucs débiles à faire. Tu sais, t'as le délire des TOS sans CD aussi, où tu peux faire des trucs débiles avec quand tu te transformes en Tini. Non mais en vrai j'étais en train de lire le chat, donc déjà bon ça volait pas très haut, mais j'étais en train de me perdre là dans leur discussion, j'étais voilà, et tu m'as lancé sur ton truc de Rubik et de Morphling, tu m'as perdu mais instant, en 2 secondes j'étais déjà largué quoi. Tu nous fais une Namax de l'époque quand tu pouvais pas se décrocher du chat. Fais plus ça maintenant, c'est mieux. Mais à l'époque, il faisait ça. Non mais là c'est pendant le draft en fait. En fait je suis en train de siroter mon dernier quartier de Clémentine. Est-ce que 30 seconds remaining. le Meepo de Abed. Ah ouais mais ça encule morph Meepo. 5 seconds Sakrai il remaining. m'a expliqué. Tu le nets et il peut rien faire. Parce qu'il peut pas wave. Et du coup t'as gagné. Sauf s'il se transforme en Meepo. On va se faire un peu enculer par Earth Spirit, mais bon, mais ça c'est pas très grave. En vrai, c'est une bonne game d'Earth Spirit là. Ouais. Au moment, oui. Bon, allez, on se réveille là. Voilà, tu t'endors. Voja, c'est Pas n'importe du tout. quoi. Franchement, non, 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 mais. On est sur un casse professionnel. Fake Les vieux attendent un bon standard de Fenelon's notre turn part. to pick. Et ils ont encore le Laspic OG là, ça fait 2 fois qu'ils ont le Laspic. Tout à l'heure, ils ont l'aspic invoqueur. Donc ça veut dire que Fnatic préfère le first pick. Pour first pick Ogre Mage. Préfère jouer Radiant. Peut-être. Non, parce qu'ils ont joué d'ailleurs avant. 10 Non, seconds remaining. ça ne fonctionne pas. Je préférais jouer. Non, en fait, on saura jamais. Moi, Pas du j'aimerais bien tout. qu'ils foutent ça là sur le draft, je crois. Oui, ils l'ont pas fait. T'as fait déjà les nouveaux coin toss ou pas dans les lobbies? Ouais, c'est trop bien. Ah, j'ai jamais vu encore. On l'a utilisé toute la journée hier, mais ça marche que pour le mec qui lance la pièce et les équipes. Du coup, l'autre caster, il se fait niquer, il voit jamais le coin Ah ouais? toss. Ouais. C'est nul. Alors en fait, on l'utilisait pas. J'avais parlé avec Léwela. Et on Ah, l'utilisait petit pas pour bugué. la ligue parce qu'en fait, les gens qui ont le jeu en français, en fait, c'est les boîtes françaises sont c'est plus long qu'en anglais. Et donc en fait, ça sort du cadre. Et donc pour cliquer, la première question c'est est-ce que tu prends le first pick ou hein? Et la deuxième équipe à choisir, en fait, elle peut pas choisir parce que c'est en dehors. Il y a pas le bouton. Le bouton il est en dessous. Tu peux pas scroll.
Oh Mais du coup, on god. l'utilisait pas. Mais en vrai, c'est trop bien. Et prendre la TE pour Amen. Intéressant. Eh ben, si tu veux mon avis, ils sont complètement out de pique. Ah, quoi qu'arrive. Quoi qu'arrive. Genre, tu peux prendre Tekkis mid, tu les out de pique. Bah non, tu peux pas parce qu'il est. Ouais. Il est pas disponible. Tu peux prendre Maiden mid, tu les out de pique quand même. ouais. Non, Maiden mid, c'est fort là. Non. Mais faut jamais. Mais mec, dans la game là. Non. C'est une super Viper, game de Maiden. Fort, Viper, c'est très fort. Maiden, c'est pas fort. Non, mais en vrai, il manque le héros de l'hôtel, je pense que c'est Rezo qui joue le Morphe, il me semble. Ouais. Non, c'est pas. Quoique. Si, si, quoi si, si. Non. Bon, franchement. I am not quite sure. Ah ouais, je sais pas, c'est toujours le. Tu sais, le mec le plus dépendant du farm qui est joué par Rezo, je trouve. Ah, bah la bombe. Alors là, ils sont bien haut de pique, là, je te rejoins. Oh, elle est trop belle. Ah, c'est la nouvelle. C'est la nouvelle brood mama. Putain. Allez, viewers, si vous m'offrez le set, j'apprends à jouer brood. J'ai un mec tout à l'heure, il m'a dit, je t'offre la Batrider, j'en ai deux. Après, il m'a PM, il m'a dit, ah, mais je peux pas, t'es pas mon ami. Je lui ai link mon Steam, puis je lui ai dit, bah, ajoute-moi. Et il m'a jamais ajouté. Alors, je crois qu'en fait, il m'a... Mais c'est pas trop chiant de faire des Oh putain. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a KO, il vient de dire envoyer. Je l'ai pas reçu, c'est bon. Franchement, les gars, quand vous êtes bourrés, faites pas de promesses. Faites pas de promesses, faites pas de défis, faites pas, voilà, faites pas les malins. Mais non, il faut pas du tout 30 jours pour échanger. Arrête tes conneries, tu peux les gift quand tu veux. Non, non, en vrai, il a pas tort. Mais j'ai pu gift les 7. Oui, mais aux gens qui sont déjà dans ta liste d'amis. Ah, d'accord, peut-être, peut-être. Maybe you're right. Maybe you're right. Mais du coup, il faut faire un réseau. Du coup, il faut... on peut faire un réseau. Genre, le mec donne à un mec. Ah non, parce que tu peux gift qu'une fois, non. Ah non. Ah non, non, peut-être pas, peut-être pas. J'ai essayé, je te gift un truc, tu vois, si tu peux me le re-gift. En fait, j'avais fait une soirée sur ma chaîne perso. Et comme, tu vois, ma chaîne perso n'est pas très active. Voilà, mes viewers, ils se sont délaissés. Et bah du coup, j'ai fait une soirée giveaway. Donc j'ai donné des sets et tout, c'était super sympa. Alors, on s'est bien amusé. Et donc j'ai fait gagner des sets. Et une fois que le mec avait gagné le set, j'ai voulu lui donner. Et en fait, j'ai pas pu. J'ai pas pu parce qu'il était pas dans mes amis. Et ensuite, je l'ai ajouté. Et le truc qui est débile, c'est genre, c'est 30 jours... Si t'as l'application SteamGuard, blablabla, mais si tu n'as pas l'application SteamGuard, c'est genre 6 mois, je crois. Ah! Donc, ça devient long, quand même. Ouais. Ça devient quand même un peu long. Et du coup, je vais filer son set, quand même, je crois. Alors... Je te l'offre si tu veux. Non, mais... J'aurais jamais dû dire ça. Mais moi non plus, j'aurais jamais brood, les gars. Du coup, Rezo joue bel et bien le Morph. Notez qu'il joue évidemment la brood. La dernière fois, il l'a mis en safe lane. Il l'avait vraiment laissé quasiment solo. En safe lane, il avait vraiment ce qu'ils vont faire, non support, je pense aussi, ouais. Je pense qu'ils vont faire une dual mid. Ah, c'est marrant, tiens. Attends, il change leur ligne, là. Il y a du mouvement. Les gars, regardez les flèches à up. Il y a du mouvement. La brood va aller mid. Donc la brood contre TA, ça se comprend. Non, ils ont vu la TA top en fait. Ah, mais non, en fait, c'est eux, c'est les autres qui veulent mettre la TA contre la brood. Ok. Bah, en vrai, sur les premiers levels, c'est pas mal avec les Psyblade. Ouais, mais ça part très vite en couille, non comme Bah, level 4, level 5, et à ce moment-là, tu te casses. Et on s'en fout, tu retournes mid, tu vois. Tu commences à faire les petites chaises musicales. Ouais. Bon, brusion. En mon goût, tu perds ce jeu-là contre une brood. Hein, au jeu de je me casse et je reviens sur le mid, à mon avis, la brood, si elle fait pareil, elle te massacre en farm. Hein. Ouais, mais tu elle met ses toiles et tu retournes. Tu vois, tu la dodges, tu te casses. Tu l'évites. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Oh la brood. Bah, les gars, regarde, ils vont mettre TA contre brood. Hein. Donc on va avoir. Oui, on va voir. Pour moi, le problème que crée la brood, pour moi, il est rarement sur la phase de ligne en tant que tel. Il est beaucoup plus que si tu bloques pas les anciens ou si tu l'empêches pas de faire les bois, tu perds tout court. Hein. Ah ouais. Ok, moi j'ai pas du tout le même ressenti sur le rang.
Pour moi, c'est vraiment un héros de problème de phase de ligne. Mais j'avoue que j'ai pas beaucoup vu la nouvelle Brood. Non, je l'ai Je pas suis énormément curieux. vu non plus, donc peut-être que les choses ont beaucoup changé depuis la nouvelle Brood. Bah en vrai, enfin, pour moi en vrai, ce qui a beaucoup changé sur la Brood, c'est les match-up. C'est le vrai problème de la nouvelle Brood, pour moi, c'est les araignées. Ce qui était bien sur l'ancienne Brood, c'était l'arbre de talent et donc la scalabilité quoi. Enfin, la phase de ligne, la vitesse de farm, into la scalabilité. Et là, mine de rien, hein, avec l'arbre de talent de merde, tu scales pas terrible, hein. Enfin, toujours pas mal quoi. Mais t'as plus l'effet rouleau compresseur que t'avais avant quoi. Est-ce que le bounty des araignées a été réajusté ou pas? Combien est-ce qu'elle donne? Je sais pas. Je sais pas, mais je te rappelle qu'on est dans la version du Bounty Hunter. On en a parlé, je rappelle, fil rouge de la game précédente. Pour ceux qui nous rejoignent. Donc je suis très heureux que tu La seule nous chose que j'ai ressortes retenue, c'est que si t'es level 4 à la minute 13, c'est pas grave. ça. Et qu'il faut tuer des poneys. Ok, alors du coup, la Weaver est partie top. Parce qu'on en a marre de se faire enfeeble. Mec, il a défoncé Mida, hein. Franchement. Ouais, il la massacre pour le moment. Je suis tout œil là-dessus. D'ailleurs, on va y voir le First Blood top, mais ça m'intéresse pas. Oh, il est en CD Tsukushi. Ouais, je sais pas pourquoi est-ce qu'il l'a pas stun d'ailleurs, du coup. Ouais, bizarre. On avait il y avait moyen de le tuer avant qu'il puisse coucouche, mais. Bon, il voulait pas trop commit. Peut-être que la pression juste du support derrière leur a fait peur. Quand même, précédent, on a eu un First Blood assez tard, je crois. Donc, Putain, mec, il la défonce. Ça fait mal quand... Oh non! Oh mais non, on était dessus il y a 2 secondes. Eh ben second blood peut-être? Ils vont pas aller chercher Paladin très loin. Bon, et pour ma défense les gars, vous le répétez pas. Hein. Je vous le dis comme ça, vous, hein. Entre nous. Je suis sur l'Obs du BTS. Hein. C'est pas moi qui gère la caméra. Je ne prends pas cette responsabilité. Encore arrivé à se faire ban la chaîne à cause de Hugo, putain. Ah mais c'est vrai que techniquement j'ai pas le droit. Ah mais t'as absolument pas le droit du tout. Bah pourquoi? Elle est directée de caméra, t'as le droit. Mais ça, c'est leur propriété, la caméra. Je suis pas sûr, hein. Ah, je suis certain à 100%. C'est noté dans le post de Valve. Ah ouais. Ouais. Ok, bon, ouais. Franchement, les gars, vous avez rien entendu. Je suis à fond sur la caméra là. Je donne tout. Ah, tu peux être directée de caméra si tu veux, ça n'a pas de problème. On me chiba. Ça, tu peux, ça. Bon, là, ça commence à être Propriété dur. Valve. Là, il commence à galérer un petit peu. Et on a un match-up à l'autre bout du monde, c'est quoi? C'est Omni contre Bro. Ça doit pas être super drôle pour le Bro à la longue, je pense. Bah, le Je truc, pense c'est qu'il y qu'ils a ont un pas moment où été. sur le ring et le bomb, c'est trop chiant. Oh, ouais, bien joué, Abed. Oui, dans la merde quand même. Il a un point de meld ou pas? Non, ça va. Pour l'instant, il clean encore. Merci, monsieur Sin, ça me touche. Petit compliment sur ma caméra comme ça. Pas bien, pas la die. Oh, double stun. Stun sur DJ. Magnifique. Le DJ il est obligé de télékinésie sin tout courir. Mais du coup, Voja, je vais te reposer une question qui. Voilà, je me suis posé tout à l'heure. Pourquoi ils ont Picrobic? Mais je sais pas. Je sais pas. Peut-être c'est DJ, on savait à un moment Oh! que c'était pas le mec qui avait le plus grand pool de héros. Est-ce que c'est un peu toujours le cas, peut-être? En mode. Honnêtement, je pense pas parce que il a joué pause 5 et là il est de retour en pause 4. Donc c'est lui à un moment qui joue pause 5, non? Ou je confonds pas avec quelqu'un d'autre? Il me semble que Écoute, sur je sais l'ancienne pas. l'ancien Fnatic il jouait pause 5. Donc je pense qu'il est. Tu vois, c'est pas un pub star avec que 2 héros quoi. Ouais. Même si c'est un mec qui doit probablement en practice à mort, tu vois, comme il joue tout le temps son Tusk, voilà, il aime bien avoir un héros favori. Plus que un mec qui aime bien jouer un peu tout. Oh! Mais oui! Ouais, les trappes, mais il faut qu'elles se chargent à fond. Et à mon avis, les trappes level 1, elles font pas assez de dégâts, c'est 200, non? Bah, dans tous les cas, Ouais, les 250. trucs qui ont la protection. Tu sais, ils ont protection magique, les araignées. Mais mec, il Ouais. le défonce, il le tue! Oh! Il le tue juste pas, mais. En tout cas, il y a une vie qui s'est encore fait tuer, Mec, il hein, se voilà. fait massacrer. Hein. Il a 10 last hit, il peut pas last hit, il se fait défoncer par le Ben Enfeeble. Ensuite, il se fait défoncer par les deux supports en face qui sont meilleurs que ses supports. Donc, ils ont un Ogre Magie qui perd une ligne, ce qui est la dernière chose que tu as envie d'avoir quand tu piques Ogre Magie. Et la TA, elle a 56 last hit.
Ouais. Bon, il y a beaucoup de Spiderling là-dedans, hein. Il en a tué pas mal. En termes de lecture, ça se concrétise quand même avec 800 boules d'avance. 800! C'est énorme, hein! Les trappes TA, ça suffit pas, mais genre vraiment pas du tout à tuer les Ah ouais, araignées. non, mais c'est sûr. Mais par contre, ça peut, tu vois, lui permettre de... Bien joué, mais je crois que c'est trop chaud. Ça peut lui permettre de... Et en D'aller bas, mettre Wayo? les right-click, en fait. Y a un ulti brew qui a été sorti. Ouais... Wayo, il a pas de point de rappel, pas de point de heal, plus de points de 3, stick, ça me paraît 2, de laisser. 1... Oh, c'était trop short! Yep. Et on arrive juste à temps pour voir Jerax toujours en train de se faire. Mec, il a un level d'avance sur Envy. C'est Envy qui lui court après avec sa Weaver level 3. Yep. Oh, ça sent peut-être le 2-0 sec et net, hein. Ouais. À part C'est comme ça, en tout cas. dur. Si ce n'est Abed, hein, qui tient la baraque, C'est clairement. ça, mais est-ce qu'il peut vraiment... Il a 77. En vrai, c'est un bon héros pour tenir la baraque, hein, Ouais, TA. c'est clair. Allez, il va offrir un kill à son... Oh, nice. C'est même Envy qui le récupère, très bien. Ouais. On va peut-être perdre DJ parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui est en train d'arriver sur lui. Mais honnêtement, comme dirait le péon, travail terminé, c'est bon quoi. Et en vrai, Envy, il s'est fait 200 gold. Hein. C'est le comeback, c'est le début du comeback. Hein. Non, en fait, le vrai problème qu'il a, par contre, Envy, c'est quand même l'XP. Parce que, genre, Ouais. voilà, qui... Surtout en sur gold, il Weaver, est c'est chiant. pas trop mal. Mais c'est ça, ouais, genre, Weaver, tu t'as besoin d'être devant en XP. Hein. Mais en fait, Hyper important. je suis en train de penser, mais en fait, ils sont partis en tri-aggro là avec leur Weaver et compagnie parce qu'ils avaient envie de mettre la même que ce qu'ils ont mis à LGD. Où en fait, eux, leur manière de jouer contre Morph, c'est d'aller massacrer le Morph à bas level parce que le Morph est nul à bas level. Tu sais, la vitesse à laquelle tu morphes tes attributs shift. Et c'est vrai que c'était violent dans la game contre LGD. Oh, regarde, le Morph, ils l'ont tué 3 fois avant le level 3 du Morph parce qu'ils avaient de quoi le catch après la waveform. Ils pouvaient dive post-waveform et ils tankaient jamais assez. Et je pense qu'ils ont voulu repartir sur le même plan, sauf qu'on a beaucoup mieux joué côté OG au niveau de la gestion de la lane. Ouais, là, Oh, attention no à lui. tail. Il y a du monde qui arrive. Hein. Ils veulent le gros kill, ils veulent pas l'ogre magie là. C'est Abel, vous voulez, les gars? Ouais, ils vont se rabattre sur. Oh, sur l'ogre, Oh! c'est trop tard. Hein. Mais ils sont Ils vont morts se en rabattre fait. sur l'ogre. Ouais. Hop là, Oh, le petit petit stun. Il est mort aussi. Mais mec, franchement, ils sont vraiment. Ils sont back. Hein. Regarde le network, c'est pas qui sont devant. J'avoue. Et C'est même la chaud mort de quand même. l'Omni en 1v1, ça lui fait pas si mal que ça parce que il sait qu'il a. Il sait qu'à partir de maintenant, ça arrivera plus le kill en 1v1 avec l'ulti brew. Et moi, je reste persuadé qu'à partir de maintenant, l'Omni gagne le 1v1. L'ulti brew va être What? utilisé pour Abed. Mais il... Il y a Ah bah. l'Obspirit qui est dans le coin. Ouais, Dust. Oh Dundee. oh Quoi? C'est encore un miss. C'est vraiment bullshit. Non, mais c'est le deuxième là. C'est vraiment bullshit. C'est pas sûr qu'il soit mort, Abed, hein. Là, il peut remeld maintenant. T'as plus de dust. Ouais, mais il va clap. Oh, Quoi? il a dust sur No Tail aussi. Ah, oh, c'est haineux ça. Oh, c'est chaud, mais mec, pourquoi Wario il a pas TP là avec son Ignite? Je sais pas. À mon avis, c'était la situation où tu penses que le mec est mort 100% à la base, du coup, tu Ouais. TP pas. Et au final, t'es 3 secondes plus tard, tu dis merde, j'aurais dû TP. Et là, j'ai plus le temps. 2 secondes plus tard, merde, j'aurais dû TP vraiment. Bon, et Rezo est en train de rattraper la TA au Networks après la mort. Alors, elle a quelques stacks d'anciens, cette TA, pas énormément non plus, mais quelques-uns. Ça va être dur avec Notel dans les parages de les faire ces stacks d'anciens. Ouais. Le truc, c'est que la brute peut pas les farmer. Donc, c'est dur à farm, mais bon, ils peuvent pas se les faire voler, quoi. Ouais, Sfor, je crois qu'il a compris qu'il peut pas retourner en bas. J'ai pris Oh, coup de Envy. Facebook, coup de Facebook. Regarde, il va le tuer! Pas les petites araignées. Il est passé 6! Il est passé 6 sur les attaques d'Abed sur les araignées. C'est ça, non, qui s'est passé? Pense, ouais. Et du coup, il a pu s'en sortir. Je crois qu'il y a des S4 en bas, mon gars, il se fait courir dessus. Oh, il a volé la bounty à Envy, Envy, il a une bottle. Enculé de Ohio. Ouais. Game is hard. Mais mec, il a le même Envy, il a le même network que la Brood, hein. Alors, franchement, moi je ne sais pas comment est-ce qu'on joue une brute de derrière dans ce patch. Hein. Moi je ne sais pas comment est-ce qu'on joue une brute tout court dans ce patch. Donc Bah, moi, voilà. toutes les brutes que j'ai vues, c'est elles gagnent leur ligne. Et du Le coup, mec c'est trop drôle parce qu'il a 140 de CS. c'est incroyable, c'est incroyable. Il a deux levels d'avance sur tout le monde. Au Net Wars, le morph est très haut, mais en level, mec, regarde, il est level 11.
Ouais, alors le level c'est impressionnant, mais par contre en termes de CS par rapport à Networks, oh il a deux. Regarde, direct, regarde, direct, j'ai tué. Il l'a poussé dedans, sérieux. Oh le mec est un monstre. Et pour finir l'histoire, il a que. Il est égalité au Networks avec un mec qui a 70 de CS normaux. Vous voyez? Ouais, mais il est mort. Ouais, ouais, mais il est mort. La TA, il est mort. Il a TA? Ouais. Où ça, c'est triché. Ouais, mais bon, d'accord, tu lui donnerais 200 gold de plus du coup. Ouais. Allez, mon logo. Allez, TP avec ton Omni Knight là. Ouais, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il est en chemin. Et il se fait stun à l'arrivée, j'ai vu que c'est trop fort. Et lift. Oh là 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 là. Et tu lui restes pour voler l'ulti bro, DJ? Tu peux pas vraiment, hein. T'as la waveform, c'est sympa la waveform en vrai. Ouais, c'est pas ouais. Mal. Vole l'ulti bro! Il a pas lancé de spell depuis! Oh, bien joué, Envy! Envy qui avait bloqué le Rolling Thunder. T'as allé où cette game? Je comprends pas ce qui se passe dans cette game, elle est incroyable. En attendant, mine de rien, il y a un mec de qui on n'a pas beaucoup parlé. Ouais. C'est Monsieur Fly qui est level 7, ah, tranquille. Non, je pensais pas lui. Moi. Tu pensais au Morph, toi? Ah, ouais, bah, je pensais que t'allais dire le Morph sur sa planète, intouché. Et en fait, non, c'est vrai qu'il y a Fly dans la game. Fly qui est level 7 avec son mec qui est trop bien. Alors, le Morph qui est sur sa planète, il s'est fait burst zone par le Rubik, mon gars. Il était à 450 PV, il a pris Waveform Fate Bolt, il est retourné à la maison. Hein. Mais mec, mais pourquoi ils ont pick Rubik? Mais c'est pour ça en fait. Et ils vont faire rush. Ouh, ça c'est un rush. C'est un rush éternel en vie, ça. Ouais. Ogre magique qui tank. T'imagines, ils l'avaient déjà ward, hein, ils avaient prévu leur coup. Hein. Alors évidemment, s'ils avaient battu le morph, ils seraient probablement pas allés. Quoique. Surtout que c'est un rush sur une TA dagger et pas sur une TA des autres. Ouais. Oh, ah, ils ont compris. Oh putain, il est tellement low que là tu restes dedans. Aïe 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 aïe. Et ceci, attends, il gagne le fight, hein. Ouais, là il faut tuer tout le monde parce que sinon c'est vraiment la merde, hein. Tu viens de leur donner free rush free Aegis. Allez réseau, tu dégages. Mais mec, ils gagnent le fight. Ouais, mais ils perdent quand même rush et Aegis là dessus Non mais honnêtement, vu comment le fight start avec un triple stun de leur spirit sous les coups du Roshan avec le clap du Brou. Mais jamais, jamais je pense qu'ils peuvent faire quoi que ce soit dans ce fight. Oh, il a volé Filigrip. Ah, c'est problématique ça. Non mais mec, mais évidemment qu'ils ont pick Rubik, mais c'est trop fou Rubik. Et t'as vu Ohio au niveau Networks, il est bien aussi hein. Il a un petit petit Eul, petite face boot, petit soul ring. Eul, pourquoi Eul? Je pense parce que silenceur spirit. Je pense parce que cancel de fine grip. C'est vrai qu'ils ont pas beaucoup de cancel de fine grip, ouais. T'as raison. Hop, c'est sympa quand t'avais fait ce but sur Omni, c'est très cool. Hein. T'as un Omni qui arrivait tellement vite dans les fights. Hmm. T'as jamais. C'est un peu l'autre option que de faire Aetherlane sur le héros, quoi. C'est de courir vite. Regarde le quick buy d'Eternal Envy. Ah! En vrai, il a raison, je pense. Hein. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il peut faire là avec 2000 gold qui servirait à quelque chose? Diffus. 100%, il peut faire diffus. C'est plus cher, hein. Oh oui, mais pas beaucoup plus cher. Bah, il a pas ulti, pourquoi il a pas ulti? Parce qu'il lance des pour. Non, mais je sais bien. Ah! Mais pourquoi il lance des? C'est ça la vraie question. Je vais aller voir quand est-ce qu'il l'a utilisé. Je suis sûr qu'il l'a utilisé pour farm, cet abruti. Qui voulait finir son Midas. Il a utilisé. Non, il s'est pris un espèce. Je reviens encore en arrière. Ah ouais, non, d'accord. Il l'a utilisé de manière plus ou moins legit. En fait, il a été volé la bounty adverse et il est tombé sur Jirax qui avait une sentry sur place. Mmh. En fait, et Jirax a posé le caillou et au même moment il a ulti pour se barrer. Alors voilà la nouvelle brood, les gars. Ah bah merde. Ah bah remerde. Mais non, mais monte sur la colline là. Ouais. Hop, tu redescends. Là. Oh, il y a des gens quand même, il y a des gens partout quand même. Il bombe à la retombée. Mais non, il se répelle. Oh. Ah, il a eu son bot, mais son bot est trop loin. Il n'a pas pris les 75 de purification AOE. C'est vraiment un talent de merde. Quoi?
C'est vraiment nul à chier. Il y a ce talent, mais je savais même pas que ce talent existait. C'est vraiment, vraiment nul. Oh! Il a encore le fin grip? Non, mais mec, c'est. Mais pourquoi tu peux mordre pendant les fin grip là? Oh, le lift? Ouais, mais... Ah, mais il a déjà TP ensuite. Mais ce joueur est un monstre! Et il a volé le morph. Alors, moi, je sais jamais si tu vas all-in quand tu voles le morph avec. Moi, j'aime pas. Franchement, c'est de la merde. C'est le nouveau Rubik, il doit hit and run. Ah non, sauf s'il prend. Tu prends le... Franchement, tu prends les 60 dégâts, tu hit and run. Non, tu prends les PV. Mais mec, tu hit and run tous les jours. Ah, il a 0 rage, je suis pas d'accord, pour moi c'est pas bien. Ouais, moi j'aime pas non plus le all-in comme ça. Mais j'aime gagner 250 PV avec le truc, quoi. Franchement, ça a trop une bonne animation d'attaque, Rubik. Hein. C'est trop bien de hit and run. Oh bah, il se fait go, attention. Ah, regarde les PV qu'il a. Il a 1400 PV, mon gars, d'où tu le go? Et du coup, est-ce vraiment? Ah, mais ah oui, il a fait Aegis. Il va pouvoir blink. Ah, bah non. C'est la guerre plutôt. Il va pas ulti. Il hein. Ulti pas. Parce que le problème, c'est que s'il ulti pour s'en sortir, de 1, il est pas sûr de s'en sortir, de 2, il prend le risque de potentiellement donner son ulti à DJ. Non, mais en vrai, il y a un autre truc aussi. Hein. Tout à l'heure, s'ils ont perdu le fight au rush, c'est parce qu'il n'y avait pas ulti bron. Oui. Ça c'est genre hyper important. Et parce que c'est le truc central. J'ai OG, brou des morphlings en teamfight, ça apporte rien. Jusqu'à que ça puisse taper quoi. Mais leur seul tout le teamfight, bon il y a leur spirit mais qui n'avait pas encore été assez de level pour pouvoir vraiment faire la différence en teamfight, c'est le brou. C'est probablement un autre trigger qui a fait qu'ils ont couru sur rush. Alors moi personnellement, j'ai cool 2-1 pour Fnatic quand on était là tout à l'heure avec Phil. Quand j'ai vu la première game, j'ai dit ok, j'ai merdé mon prono. Là, je commence à y croire. Hein. Allez, adieu Fly, tu repasses tout à l'heure. En plus, quand on parlait des talents de l'Omni, là, de 75 purification, j'ai toujours pas compris pourquoi ce héros avait 90 GPM au level 10. 90, c'est les plus hauts, hein. C'est les plus hauts GPM de level 10. Hein. C'est bingo, 90 au level 10. Putain, il a une armée no tail. Qu'est-ce qu'il a pris du coup? Il a pris. Oh, il a pris les dégâts des spawns. Oh, je savais pas qu'il prenait ça. Donc, c'est les dégâts du sort. C'est nul à chier. Hein. C'est pas ouf, hein. Allez, premier split. La TL a eu le temps de blink. On est en train de courir dessus. Il a. Pardon. T'es où que ça se passe mid? C'est mid que ça se passe. On perd pas la die. Oh, et on ils se perd font enculer. Ah, attends, moi je veux voir s'il remet un fake bolt en haut, DJ. Il a littéralement duré, mais je déconne pas, hein. Je pense qu'il a duré 9 secondes le fake bolt. Mais c'est pas fini sur Royo. Oh, ouais, il est obligé de mettre son ulti là-dessus. Et à s'en sortir, hein. Mais c'est quoi son build là? Pourquoi il a E le sang GHA, il fait le build mobilette. Un sang GHA c'est chelou pour le coup. Mais... E le Facebook c'est plus ou moins standard. Tu sais, tu parlais tout à l'heure là de. Ah, il a volé les araignées. DJ, ils sont son armée là. Ça, tu peux trop farmer avec ça. Ça va faire les bois. Et hop, crash. Voilà. No tail. Ouais. Non, c'est bon. Y a cher exemple. Alors, Envy, mon gars, Envy, il va toujours vers la base adverse. Hein. Tu crois quoi? Tu crois qu'il allait faire demi-tour? Qu'est-ce qui se passe en bas? Mais c'est quoi ça là? Y'a plus le tibro du coup. Regarde son hit and run là. Regarde comment il se traîne. Regarde son bâton, il fait 20 kilos là. Mais on s'en fout, je go, c'est un Rubik. Regarde ça, il a 1700 PV. Est-ce que c'est le héros qui a le plus de PV dans la game? 1400 sur le Brou, 1600 sur l'Omni. Mais en vrai, je suis sûr qu'il est pas. C'est le héros qui a le plus de PV dans mais la game. Ouais, mais il a 0 d'armure. Ouais, mais y'a qui vient le clic droit concrètement? Bah, le morph. Maintenant? Jamais le morph, il vient le clic droit. Non, c'est vrai. Mais je veux dire. Mais qui c'est qui lui met des sorts? Ah bah tout le monde par contre. Mais non, mais regarde là maintenant là. Regarde, je le suis. Non, non. Personne lui met un sort. Non, mais genre dans les 10 prochaines minutes. Oh, what? Alors attendez, ça on va retourner en arrière les gars. Parce que je crois qu'on vient de voir un truc de malade là. C'est le mot Ferrari ou pas? Ouais, c'est le mot Ferrari. Alors ça mon gars. Tristesse, bah, il termine pas dessus. Ah, il tape pas dessus, l'attaque par jamais, c'est la précédente qui le tue. En vrai, s'il survivait au hit qu'il lui met, c'était le mot Ferrari. Ouais. Parce que là. Ah ouais, ouais il le touchait quand même. Hein. Trop chaud. Ouais. Franchement, il y a des monstres dans cette game.
Go live, hop. Mid, S4. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Putain, la chatte. J'arrive. Bah en fait il a mis la bière au moment où la TA met le dernier coup et du coup elle miss le dernier coup et ça le sauve. Est-ce que tu savais mon petit Vosja que depuis je sais pas combien de temps, ça se trouve depuis toujours mais je le savais pas, on peut ralentir les games en live. À l'aide de quel bouton mon ami? Alors il faut que tu aies un raccourci pour accélérer ralentir. Je crois de base c'est plus c'est genre à côté de l'entrée là. C'est les mêmes. Oh bah c'est la même que sur le replay ouais. Ah mais ça marche pas pourtant pour moi. En live. Ah mais seulement si t'es pas en live quoi, non? Ah non, regarde, je suis en live. Hop, je ralentis. Non mais ça marche pas. Ah non mais ça marche pas. Non moi j'ai mis page up et page down. Ah ouais. Normalement c'est censé être ça. Par contre si je reviens en arrière. Ouais si je reviens en arrière, regardez, ça marche là, c'est ralenti, là. Pas en live. D'accord. Mais tu peux pas en live, d'accord. Voilà. C'est le fun fact de la journée. Qui était faux du coup. Bon, cette game part un peu en cacahuète, hein, mais en faveur de Fnatic. C'est cacahuète, c'est Fnatic les champions des cacahuètes. Hein. Moi je t'ai dit, Brood ça sert juste à gagner les lignes. Là, il y a Dotel, il sert plus à rien. Il sert que s'il y a un truc qui se passe loin, il peut gagner la partie en deux secondes. Mais il sert pas à gagner les teamfights, il sert à split. Russian deuxième du nom, ça s'est bien passé le précédent. Parce que celui-là il est quand même plus safe, plus rapide. Ouais. Désolé de la TA est bien. Peut-être. Ah il y a l'ulti, bro, ils ont un problème de. Ah bah. Oh c'est la Lincoln. Ah c'est chiant ça en vrai. Oh. Et Hugo il nous a dit pour gagner à Dota il faut tuer des coursiers. Donc. Ils sont en bonne position. Mec, la ward qu'ils ont, c'est la même ward qui tuait Twitchy que la game d'avant là. Mais c'est pas la même équipe. Non. Mais il faut enlever ces wards. Quand les mecs ils jouent à gauche de ta map comme ça, tout le monde ward ici. C'est marrant d'ailleurs, j'avais pas remarqué, mais regarde, y'a aucune des deux équipes qui utilise des sentries pour des wards. Ouais, pour le moment ça a l'air de pas être l'investissement qui les intéresse. Oh mon gars, on a quand même un Omni qui court à 400, à 500 MS hein. Ouais. 546. Ils ont lift. Zéro d'armure. Oh, il tank, t'as raison. Il tank tellement qu'il est toujours en vie d'ailleurs dans cette situation. Ils ont tué la Proudhon. Ouais, il a explosé. Le pauvre petit Fly, résolution est au milieu du fight, un peu triste et un peu penaud. Mec, il était mid avec son morph, il le défonce. Oh non, Abed, il s'est coincé. Allez, sors de là. Il reste S4 au milieu du tas quand même. Hein. Mais il est mort, je crois, S4. Non. Ouais, il est pas bien en tout cas. Il se retourne, sans Yasha. Il a perdu sa rotule. Et Abed prendra le kill. Mais ils vont, ils vont gagner, hein, franchement. Grâce au fait qu'ils aient mis tellement de temps pour tuer le Rubik. Non, en vrai, je te l'accorde. Du coup, c'est le Roche là, c'est aussi. Ils ont eux là, mec mid. C'est ouais. Qui le mec? C'est Verax, c'est les morts. Bah, Roche, hein, free Roche. Non, mais il marche en build à l'Omni, putain. Quoi, okay, non. Mais en vrai, pour moi, ils peuvent plus gagner. Hein. Si, ils peuvent gagner en very late sur le morph. Ils peuvent gagner en tuant plein de chips. Mais en gros, là, ils ont un seul héros. Ils ont plus que deux héros qui servent à quelque chose dans la partie. C'est Earth Spirit et Morphling. Yeah. Putain, c'est vrai qu'il y a déjà un cheese sur celui-là, du coup. Ouais. Et pour alors, qui récupérera sa Lincoln prochainement. C'est pour ça que je trouve que dans cette version, genre. C'est beaucoup plus dur d'aller gagner en very late, en mode delay, comme OG pouvait le faire à l'époque de du Major là qu'ils ont gagné contre Virtus Pro. Kiev Major. Parce que le troisième rush est tellement puissant avec le refresh. Ouais. Alors t'as des line-up dans lesquels c'est difficile à bien utiliser, tu finis par l'utiliser surtout pour les doubles BKB. Et t'as des line-up où par exemple là chez Fnatic, le double ulti Omni, c'est le genre de truc qui peut te plomber une game. Ouais, c'est ça. Bon par exemple la line-up de OG est plutôt pourrie pour refresher. T'as double ulti brew mais bon, plus généralement après un ulti brew la fight est finie. Voilà. Attends, mais comment il a tué le scarabée en deux secondes là? Les araignées ça défonce le scarabée. Oh mais ouais c'est des attaques, c'est pas des attaques de héros. Hein? Oh, c'est débile. Haste. Oh, ils sont passés mid. Oh, c'était chaud. Mais il y a le gars, regarde, il arrive tellement vite. Oh, il le tue avec leur kid. Il le tue avec leur kid. Wouah. Rival split
Non, tu split 0, mon gars. Non, mais mec, ils y vont, hein. Bien sûr. Hein. Fly. Tu crois aller où, Fly? Mais en même temps, ils peuvent rien faire en face, hein. Et il va avoir une Lotus Orb avec son ami. Est-ce que c'est spécialement bien pour un truc? Ça peut vous permettre d'enlever la bière et sinon c'est toujours sexy, quoi. Non, mais. Je sais pas si tu te rends compte, Vosgin. J'ai expliqué aux viewers qu'ils étaient complètement épique. J'ai expliqué aux viewers qu'il fallait pas de pick Rubik. Et en fait, le Rubik a de la game tout seul. Non, avec la terre. Avec Wayo aussi, mon gars, il est trop chaud. Ouais, c'est vrai. Mais on savait comme dit c'était fort, tu vois. Ouais. Pas une surprise. En plus, mec, les l'arbre de talent de l'ami, c'est fort. Moi, je suis pour dire que c'est à mon goût dans le top 3 des meilleurs arbres de talent du jeu. Mm-hmm. Mon gars, 90 GPM, il tout 90 de dégâts, il tout la dégénora. Ah, il ouais. Y a juste le 25, il est bien, hein, mais t'as les 25 qui sont au-dessus. Ouais, c'est pas, il est pas broken, quoi. Voilà, t'as les 25 beaucoup plus game-breaking que ça. 3 secondes de durée pour répulser. Très fort, le heal de la purée, et en plus c'est des dégâts purs supplémentaires, c'est très fort aussi. Mais c'est surtout le 10, 15, 20 qui sont très très forts. Non mais en vrai, attends, je vais rebondir quand même sur un truc là. Parce que j'en ai vu dans le chat qui se foutent de ma gueule. Bon, voilà, j'avoue, c'est un peu mérité. Mais le morph, il a fait quoi dans cette game? Est-ce qu'on l'a vu? Parce que moi je ne l'ai pas vu sur mon écran. Hein. Vie en face de ligne, voilà. Mais moi je ne l'ai pas vu sur mon écran. C'est quand même problématique. C'est bon, la broude elle sert à plus à rien. Bon voilà, elle s'est vaincue le mythe, c'est la vie. Je comprends. Mais le morph, normalement, il y a un moment, il sert à quelque chose. Alors moi, je ne sais pas jouer ce héros, donc je ne sais pas ce qu'il aurait dû faire. Mais. Voilà. Après là, c'est peut-être. Oh, Duke. Fly. Adieu. Et on a Gérax. Faut se mettre devant lui pour empêcher le roule boulet. C'est de la seule chose à faire. Il n'y a pas même pas besoin, il mourra avant ça. Le morph, est-ce que. Du coup, le. Tu sais, c'est peut-être des situations un peu cheloues de est-ce que c'est pas une mauvaise game pour Morph parce qu'il a personne à tuer. C'est genre le Rubik, bah maintenant qu'il lui a volé une fois le Morph, il a 1800 PV, il peut pas le shotgun. L'Omni, il peut pas le shotgun. L'Ogre, c'est chiant. La Weaver, elle a Lincoln et la TA, tu peux pas. Genre, il peut tuer personne avec son Morph, non? Non, en vrai, je pense que. Attends, on va suivre le truc. Je pense que s'il gagne la phase de ligne, c'est ouais. Un très bon pick. Ah ouais, c'est bon, elle peut doubler les gens, c'est ça? Elle ouais, c'est ça, elle le tue. Oh là là, et le bruit, il lâchera pas son ulti. Le combo d'objet est trop fort, alors qu'il nullifier. Ouais. Beaucoup d'argent, c'est des stats de merde, mais putain, qu'est-ce que c'est puissant. Et il y a très peu d'héros qui peuvent le faire, mais c'est très bien sur Terre. Ouais, il y a Terre, il y a Kling, c'est ultra strong. Nature's Prophet qui peut aussi. Elle finit cette game, hein? Bah ouais. Et t'as l'impression que OG n'aura jamais joué, mais parce qu'ils peuvent rien faire. Ils vont tenter un petit barreau d'honneur. Elle vient le cheese, il était à 1 HP. GG. C'est fini. Oh là 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 là. Franchement. Bon bah il aura suffi de pas grand chose. Hein. Abed qui roule le mid et Ohio qui se met even en bas. Pendant le temps, les autres ont pris l'eau. Et ensuite DJ qui s'est réveillé, qui a fait les bons moves, et Fnatic qui était back. Porté par Abad. Ouais, franchement, ils ont. DJ qui a fait les bonnes décisions, et Ohio. Ce qu'ils viennent de faire, c'est hyper dur à faire. Ce qui est marrant, c'est que tu prends à la fin, là, tu regardes des graphes, en fait, on avait beaucoup plus le sentiment. On avait le sentiment qu'ils étaient beaucoup plus dans la merde que ce qu'ils étaient en vrai. Hein. Non, en vrai, non. Je suis désolé, quand la Weaver est level 3, minute 6, à courir après un Earth Spirit niveau 4, ils sont dans la merde. Je pense que... Oui... Mec, t'imagines okay. Mais regarde le level de Envy, là, il est où? Mais à mon avis... Ouais, d'accord. Envy passe level 6, minute 10. Mais Abed avait tellement d'avance que je pense que le graph d'XP était même pas tant que ça en faveur de OG. Peut-être. Tu vois. Mais je pense que, pour moi, faut pas réfléchir cette game en fonction de graph. Parce que c'est pas une question de est-ce qu'ils sont devant, est-ce qu'ils sont derrière, on s'en bat les couilles. C'est genre, ils ont pas perdu la phase de ligne contre un draft qui doit gagner la phase de ligne. Et... Parce qu'il y a des héros qui servent qu'à ça, tu vois, genre, tu prends Ogre Magie, bah tu sers à gagner la phase de ligne et à avoir un carré qui tape un peu plus fort, quoi. Non, c'est pas... Et si tu perds ton pari, bah... Typiquement, le Bane dans cette game, il a gagné sa ligne... Et ensuite, il a servi à rien. Ouais. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas. Voilà, il faut être
tout pour gagner à Dota. Et là, la Brood, elle devait gagner sa ligne et faire en sorte que, en fait, le Morph joue contre des mecs qui sont pauvres parce que la Brood a gagné sa ligne. Mais en fait, le Morph, bah, il a joué contre des mecs qui n'étaient pas pauvres. Et du coup, il a pas pu jouer à Dota, quoi. Je pense que cette game-là, c'est une jolie leçon du match-up TA Brood aussi. Ouais. Que, à mon avis, si je veux dire, si game 3, OG reprend Brood, Fnatic reprend TA, je pense que tu vas voir No Tail, genre TP level 1 pour dodge la TA. Et peut-être que Abed le suivra et ainsi de suite, mais tu Non, pour moi, ils auraient pu la perds. jouer différemment s'ils mettent. Alors, ça dépend à quel point ils respectent l'ogre, mais ils auraient pu le jouer le match-up sur une autre ligne. Parce que le fait qu'Envy soit en PLS comme ça, c'est aussi parce qu'il a tous les supports sur le dos. C'est Ouais. genre, OG a travaillé à défoncer Envy. Je Ça me n'a servi à rien. demande si sur une longue lane le match-up est pas différent. Alors, pour moi, sur le long lane, le match-up est différent. Si le Bane est là, le match-up est différent. Parce Ouais. que je suis désolé, tu mets une dual ligne Oui, c'est sûr. Bane Brood, tu Et c'est pour ça que je encules la parle. TA tous les matins. Et c'est pour ça que je parle de leçon. C'est parce que OG s'est jamais dit la Brood va avoir besoin d'un support mid, blablabla, etc. Tu vois, ils sont jamais partis dans cet état d'idée-là. C'était en mode le match-up devait mieux se passer que ça. Et là, ils prennent la Ouais, leçon bien de sûr, c'est non, les ça. mecs, la TA, si elle s'est jouée, elle te baraffe ta Brood. Ouais, non mais là c'est la fessée claquée là. Il savait pas. Bah nous non plus. En même temps, c'est vrai, hein. Tu me disais au bout d'un moment, il pourra plus rien faire. Moi, j'étais là, franchement, ouais, je pense que t'as raison. Allez, allez pour nous la fessée aussi. Et bah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On apprend des choses tous les jours, les enfants. Yes, Je suis il y en fier de aura une vous. game 3 du coup. Ouais, alors j'avoue que je serais bien allé me coucher. Mais. Est 22h17, Papy Hugo qui entre avec une bière de trop, veut aller dormir. Mais non, 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 mais super. Super. Un partout, du coup. GG. Merci, Orbi LF. Ton pseudo est vraiment nul. Mais ton soutien, lui, est inconditionnel. Je sais pas exactement ce que je voulais dire, mais t'as compris. Alors, j'avais fermé mon onglet avec la musique. Du coup, on n'a plus de musique. Mon game numéro 3 à suivre. En attendant. Pour se détendre, parce que je vous ai bien senti un peu tendu, on va se faire un petit plan musique détente, petit instant musique, et on se retrouve pour le match suivant. Tout de suite. À toutes. Ah mais non, mais j'ai encore tout bugué si je fais ça.